Bonsoir, bonsoir. Nous sommes en direct. Alors, merci beaucoup de participer à cette nouvelle conférence. J'espère que vous m'entendez tous bien. Ophélie et Caroline, est-ce que vous m'entendez? Super. Oui, Donc, bonsoir, bonsoir tout le l'image, monde. bonsoir. Bonsoir. Une nouvelle conférence où on va pouvoir dialoguer avec notre âme. J'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Caeva. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Hortense, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, je vais vous présenter donc comment dialoguer avec son âme. Dans cette conférence, donc Ophélie vous dira qu'est-ce que l'âme? Quel est son rôle? Comment peut-elle nous être utile dans nos vies? Et Ophélie vous invite à plonger en votre âme pour recevoir ces messages. Et dans cette conférence, vous allez savoir qu'est-ce que l'âme? Et que peut-elle nous apporter? Connaître quelques outils pour se relier à elle, savoir comment rencontrer son âme à travers son corps et ses émotions, et développer la cohérence âme-cœur-mental. Super programme donc. D'ailleurs, vous aimez bien, bien, je pense, ce thème parce que vous êtes très, très nombreux en ligne et même en inscription, plus de 1000. Donc, c'est un thème effectivement qui est très prisé à l'académie, la connexion avec l'âme, car après tout, on est ici pour faire suivre ce que dit notre âme. Donc, Ophélie, je vais te demander de te présenter en quelques mots. Tu n'es pas nouvelle sur l'académie, mais quand même. Il y a des personnes certainement qui ne te connaissent pas encore bien. Donc, voilà, je vais te demander de te présenter et puis on va pouvoir démarrer la conférence, je pense, avec une méditation que tu vas nous, pour qu'on se pose un Tout à peu, fait, comme tu m'as dit. tout à fait. Ok, je te laisse la parole. Ok, super. Alors, ce que je peux dire bah, aujourd'hui, c'est que je travaille, je suis art-thérapeute et j'offre aussi des soins énergétiques chamaniques. Donc, les deux, évidemment, viennent ont vocation de venir toucher l'âme, venir appeler l'âme, en fait, et nous accompagner à l'écouter. Parce que comme tu as bien dit, Hortense, effectivement, pour moi aussi, je suis convaincue que le sens de cette vie sur Terre, c'est bien évidemment de pouvoir être notre âme, en fait, juste la laisser s'exprimer à l'intérieur de ce corps physique et sur cette Terre. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, comment j'en suis arrivée là, depuis petite, en fait, j'avais une recherche, en fait, évidemment, de quelque chose de plus profond de la vie. Il manquait quelque chose, donc j'ai recherché Dieu, voilà, au départ dans la religion catholique, puis après, à travers d'autres pratiques de rencontres plutôt voilà, du tai chi, du qigong, puis après de pratiques de l'Inde, en fait, spiritualité indienne. Spiritualité de l'Inde, voilà. Et il y a quelques années, j'ai rencontré en plus la voix amérindienne. Et c'est vrai que ça m'accompagne aujourd'hui énormément. Ça m'aide constamment à ouvrir de plus en plus mes sens et à me relier de plus en plus à mon âme et voilà, à être chamboulée, parce que la vie, c'est ça aussi, c'est ces mouvements de vie, mais à revenir toujours ces chamboulements qui nous ramènent en fait à l'essentiel, à OK, qu'est-ce qu'il y a encore à soulever quelque part pour arriver à toucher encore plus mon essence en fait. Et il y a quelques années, j'ai été formée en fait à une forme de soin rituel qui s'appelle la bénédiction de l'utérus, qui était au départ essentiellement fait pour les femmes, pour aider à se reconnecter au féminin sacré, mais qui aussi maintenant vient toucher aussi le féminin des hommes. Et parce que ce féminin, justement, qui dans notre société a été, on peut dire, un peu écrasé, caché, c'est aussi toute cette dimension de l'obscurité sans jugement du tout négatif, en fait, de ce qui vient de l'intérieur et de cette énergie aussi de réception.
et je vais en parler après plus tard dans la conférence, de cette énergie aussi magnétique qui attire à elle et qui apprend à recevoir, par pas opposition mais complémentarité à l'énergie électrique plus lumineuse qui va vers l'extérieur, qui va chercher, plus masculine. Et en fait, notre société, bon, je pense qu'on en a bien tous conscience, a vraiment mis en avant cette dimension plus masculine et a un peu mis de côté la dimension plus féminine qui va, avec justement cette reliance à l'âme, apprendre à réécouter, à se remettre dans cet état en fait de réception. Donc, c'est voilà, mon chemin personnel m'amène de plus en plus dans ces dimensions-là en passant par au départ ce travail de nettoyage, ce travail de reliance énergétique et spirituelle à ce grand féminin sacré au départ pour les femmes et puis maintenant plus large en fait pour les hommes et les femmes. Et par la suite de commencer à transmettre, à donner cette bénédiction d'utérus et puis ces soins du féminin sacré aux femmes et aux hommes. En parallèle de cette voie, moi, de ce chemin spirituel amérindien que je parcours, voilà, personnellement, avec tous ces rites, entre guillemets, j'ai développé l'ouverture du langage d'âme, qui, je pense, en fait, existe chez beaucoup, beaucoup de gens, mais c'est juste une question de retrouver ce langage, de rouvrir la gorge. Et du coup, c'est un langage, enfin le langage d'âme. Il y en a plusieurs qui sont parlés. Maintenant, ça se répand de plus en plus, ça se réouvre de plus en plus sur Terre. Il y en a qui ont existé sur Terre il y a des temps très lointains, ou d'autres qui n'ont pas existé mais qui existent sur d'autres planètes, donc en connexion avec d'autres peuples. Et en tout cas, ce sont des langages vibratoires. On va dire fréquentiel, les sonorités en fait envoient des vibrations particulières dans les corps énergétiques des personnes ou dans voilà, l'espace qui entoure et vient soulever certains blocages, activer certaines choses. Et je vous en parle maintenant parce que voilà, aujourd'hui, on est aussi le 9-9, donc c'est un portail énergétique important. Il se passe aussi beaucoup de choses collectivement. Donc, il y a aussi, au niveau collectif, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, qui sont brassées. On a beaucoup de brassages, d'inquiétudes, de peurs qui remontent. Ça peut être des colères aussi. Et du coup, quand il y a aussi toutes ces émotions qu'on pourrait dire plus, entre guillemets, négatives qui remontent, il y a bah, tout cet aspect positif aussi d'un nettoyage. En fait, on peut toujours arriver à le voir en disant, bon, bah, ça remonte, c'est pour sortir, pour être nettoyé. Et ces portails, ils sont là aussi pour ça. Et on va continuer à se nettoyer dans notre vie, certainement, toujours pour arriver à non pas rester effondré sous ce marasme émotionnel ou mentaux, mais pour justement s'épurer, en fait, et arriver toujours plus à aiguiser en fait cette communication avec notre âme qui est en fait la reliance à notre être intérieur, à qui nous sommes. Et du coup, comme on va faire une petite méditation au départ, juste pour j'aime bien commencer comme ça pour aider chacun aussi à atterrir, à se poser, à pouvoir aussi peut-être profiter encore plus d'une conférence où on parle de l'âme en étant dans un état un peu plus présent en fait. Et moi aussi, j'adore faire ça parce que ça me connecte à vous aussi plus profondément, plus voilà, énergétiquement aussi. C'est possible que pendant cette méditation, il y ait un peu de langage qui s'exprime, de langage d'âme. Donc, c'est pour ça aussi que j'en parle, que vous ne soyez pas surpris. Voilà. J'ai beaucoup Ok. parlé, Non, c'est bien. Comme je ça, on est dans le bain. crois. Ok. Donc, merci, merci Ophélie. Mais par contre, moi, j'ai manqué à tous mes devoirs. Vous vous demandez peut-être qui est cette jolie jeune fille qui est avec Ophélie et moi-même. Eh bien, c'est Caroline. Caroline, je vous présente Caroline, qui est toute nouvelle dans l'équipe de l'Académie Nouvelle Vie. Elle Bonjour. est animatrice, elle vient de rejoindre l'équipe, donc on l'accueille ce soir également. Voilà. Merci. Et pour sa première conférence,
Ce sera pour vendredi, si vous voulez nous rejoindre, parce que je serai aussi avec elle. Voilà, tu nous excuses, Ophélie. Mais non, bien sûr, bienvenue Caroline, super, Merci beaucoup, beaucoup, super Caroline. contente que tu sois Merci, c'est là. gentil. Voilà, les amis. Donc, je te redonne la parole, Ophélie. Hein, on va Super. pouvoir démarrer la méditation alors. Voilà, donc on va pouvoir prendre un petit temps pour se sentir les uns les autres énergétiquement, voilà, construire encore plus cette reliance entre nous tous, parce que j'aime bien aussi l'idée que, enfin, de pouvoir utiliser l'excuse des conférences en fait pour aussi créer des, si c'est pas des vortex, en tout cas des cercles entre nous et se rappeler que voilà, qu'on peut être relié malgré tout ce qui pourrait vouloir nous séparer ou nous faire croire qu'on est séparés. Et du coup, profiter justement de ces temps où on est très nombreux à se retrouver, même derrière les ordinateurs, loin, pour ressentir cette connexion, parce que c'est très puissant et parce qu'on peut faire beaucoup de choses, en fait, si on a focalisé ensemble sur une même chose. Voilà. Donc, je vais vous inviter à trouver donc un espace où vous pouvez être confortable, que ce soit assis ou allongé. Voilà un endroit où vous pouvez être tranquille. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et dans un premier temps, à vous concentrer sur votre respiration. Prendre conscience de l'air qui rentre et qui sort par vos narines. Sentir les mouvements de vagues que cette respiration crée à l'intérieur de votre corps, que vous pouvez sentir particulièrement dans votre ventre. Et puis du coup, prendre conscience, reprendre conscience de quelque part cette intelligence miraculeuse du vivant à l'intérieur de nous, qui agit tout le temps, et heureusement qu'on en ait conscience ou pas. Et puis, reprendre conscience du pouvoir de cette toute petite chose quelque part qui est la respiration, qui est gratuite et toujours accessible. Et en fait, vraiment l'utiliser avec cette intention de me déposer à l'intérieur de moi. À l'utiliser pour chercher à laisser couler. Peut-être hors de moi, toutes ces pensées, s'il y en a encore. Voilà, tout ce qui pourrait habiter mon mental. Peut-être des choses que j'aurais à faire, ou que j'ai déjà fait, ou que je pense que je n'ai pas encore fait. La respiration, c'est un outil tout petit et gigantesque à la fois, et tellement essentiel, auquel on peut toujours recourir pour rappeler en fait un peu à laisser couler tout ça. Cette air, c'est comme s'il pouvait ramener un peu d'eau à l'intérieur aussi, ou faire circuler plus fluidement les eaux de notre corps. Et puis l'utiliser aussi avec l'intention de se déposer à l'intérieur de nous. Donc je vous invite à sentir comme si le poids de votre tête, vous le laissiez couler le long de votre colonne vertébrale et vous laissez ce poids se déposer dans votre bassin, dans vos ischions. Voilà, sentir qu'il se dépose dans cette assise.
de votre sacrum. Et puis par là même, laissez le poids de vos bras, de vos mains descendre, peut-être se déposer sur vos cuisses ou sur ce qui les soutient, selon que vous soyez assis ou allongé. Et puis encore, laissez aussi un peu de poids descendre à travers vos cuisses, vos jambes, jusque dans vos pieds. Et sentir les zones de contact de vos pieds avec le sol ou avec voilà, le canapé, le lit qui est sous vous. Et allez toujours avec la respiration pour se déposer un peu plus. Comme on dit en anglais, surrender, se rendre, donner son poids à la terre qui nous soutient. Et puis se rappeler juste cette connexion qui est toujours là, qui passe directement à travers nos pieds, mais qui relie notre corps entier à la terre. Voilà, qui est là toujours porteuse, soutenante de chacun de nous. Et puis, je vais vous inviter à amener vos mains, les déposer au niveau de votre cœur physique. Peut-être que d'un coup, vous allez ressentir, entendre les battements de votre cœur. Cherchez à respirer avec. Comme si vous vouliez bercer votre cœur. Et puis simplement, vous allez pouvoir visualiser que de votre cœur sort un faisceau de lumière, de la couleur que vous voulez. Et imaginez que tous les gens qui sont reliés ce soir à cette conférence, même si vous ne les connaissez pas, vous pouvez imaginer un grand cercle, comme si nous étions assis les uns à côté des autres, les unes à côté des autres, en cercle, un très grand cercle. Parce qu'apparemment, nous sommes très nombreux ce soir. Et imaginez que de votre cœur va sortir ce faisceau de lumière et il va se diriger jusqu'au cœur de la personne à votre gauche, tout en douceur, comme si vous vouliez faire un petit coucou à la personne à côté de vous, un petit hello, bienvenue côté de moi. Et vous pouvez visualiser ce faisceau qui va venir toucher le cœur de la personne à côté de vous comme une caresse à votre gauche. Et en même temps, visualiser que vous recevez le faisceau qui vient de la personne à votre droite. Faisceau qui est envoyé de son cœur et qui vient toucher, caresser doucement le vôtre. Et qui vient vous dire aussi coucou, bienvenue, ravie d'être là à côté de toi. Puis je vous invite à ressentir en fait ce cercle et du coup, voilà, ces liens énergétiques qui sont formés là, qui sont posés. Par ces faisceaux lumineux, par ces fils de lumière, de cœur à cœur. Donc de ressentir l'entité de ce cercle, l'énergie de ce cercle.
Imaya koche simaya ko etanaya o etanaya e imaya koche simai chesimai Et maintenant, je vous propose de prendre un petit temps pour laisser venir à vous en images, en sensations, en pensées, toutes les belles choses qui existent à l'intérieur de vous, qui existent dans votre vie, dans votre maison, autour de vous, dans votre quotidien. Toutes les choses pour lesquelles vous vous sentez en gratitude. Voilà, peut-être des cadeaux que votre corps physique vous fait, que des personnes que vous aimez qui vous entourent, des belles situations qui vous sont données de vivre. Voilà, je vous invite à laisser venir ces visages à vous, ces situations, ces ressentis, ces sensations, et intérieurement de les remercier une à une. On va prendre un petit temps pour faire ça, pour laisser cette énergie douce de la gratitude venir nous habiter et puis réaliser tous ces merveilleux cadeaux qui existent déjà dans nos vies. Imai echi samayaku. Je vous invite à respirer pleinement avec toutes ces choses merveilleuses qui existent en vous et dans vos vies. Imaginez que vous les réinspirez à l'intérieur de vous et qu'elles viennent remplir votre cœur. Nourrir votre cœur, cultiver la paix et la joie à l'intérieur de celui-ci. Venir renforcer l'énergie d'amour qui existe à l'intérieur de soi.
Et puis comme cette énergie d'amour, ces énergies de joie, de paix, sont faites pour être partagées, se multiplient, croissent quand elles sont partagées, quand elles sont vécues à plusieurs. Je vous invite à imaginer un autre faisceau de lumière qui part de votre cœur, mais que vous allez tous, que nous allons tous diriger vers le centre de ce cercle. Et je vous invite à visualiser tous ces faisceaux qui partent du cœur de chacun, chacune, et qui se rencontrent au centre de ce cercle pour former, pour donner naissance à une sphère de lumière remplie de toute cette énergie. Toute l'énergie, toute la gratitude que nous ressentons, nous l'enferons à cette sphère et c'est nous qui créons cette sphère lumineuse avec des bouts de nous. Et puis maintenant, on va laisser les faisceaux de lumière revenir jusqu'à nous, comme s'ils rentraient, ils se rétractaient pour rentrer dans notre cœur. La sphère reste au centre. Et à trois, on va tous souffler sur cette sphère et la voir s'envoler, décoller dans les airs pour aller s'offrir au monde, là où elle doit aller, pour qu'elle puisse aller toucher ce qu'elle doit toucher. On y va à trois, tous ensemble. On va la faire décoller. Un, deux, trois, on souffle. Et je vous invite à vraiment la voir s'envoler. S'envoler très très loin, jusqu'à ce qu'on ne la voie plus, qu'elle aille faire son œuvre, là où elle sera utile, là où elle est appelée. Puis vous pouvez revenir à votre respiration. À la conscience de vos pieds et du poids dans votre bassin. Au mouvement de vague qui va et qui vient à l'intérieur de votre ventre. Et puis reprendre conscience de l'entièreté de votre corps physique. Et petit à petit, vous allez prendre le temps pour doucement revenir ici et réouvrir vos yeux. Reprendre conscience avec ce qui vous entoure. Ici et maintenant. OK. Donc, comme je n'ai pas de signal d'Hortense ou Caroline, je me dis que ça va bien, que vous m'entendez bien et que vous me voyez toujours bien. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Super, Et oui. oui. Ok, OK. très bien. Génial. Vive la technologie, merci. Alors, waouh. Donc,
On y va pour parler de notre âme, de nos âmes. Alors, je vais faire une brève introduction, en fait, pour voilà, présenter quelques concepts, mais vite fait, pour aller après à l'essentiel de ce qui nous concerne vraiment, la communication avec notre âme. Vous avez certainement déjà dû entendre ça, l'idée que au départ avant la création, il y avait une unité, voilà, comme un tout, et qui, comme il est tout, il pouvait pas non plus découvrir quelque part, expérimenter les différents aspects de lui-même. Donc, cette espèce de grande conscience qui a choisi de se diviser pour justement aller à la découverte de soi, de toutes les parties de soi, en fait. Et donc, de cette unité qui s'est divisée, s'est créée la dualité. Et la dualité avec deux polarités extrêmes complémentaires qu'on pourrait appeler le positif et le négatif, qui a été voilà, la lumière et l'obscurité, qui après a été jugée, on va dire, bien et mal. Mais au départ, c'est sans, voilà, c'est comme un peu ce masculin et ce féminin, sans jugement de, il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est une complémentarité, quelque chose qui se divise. Et puis, au fur et à mesure de cette division, en fait, qui va continuer un peu comme la mitose des cellules, en fait, qui se divise à l'infini, il va y avoir la naissance entre ces polarités, en fait, de tout un spectre, on peut dire, en fait, de plein de vibrations et de couleurs différentes. Et voilà, je raccourcis l'histoire et je schématise pour qu'on aille un peu plus vite. Et qui, du coup, va donner à des êtres de plein de couleurs différentes et de plein de vibrations différentes qui, ensemble, en fait, forment le tout, mais qui vont quelque part choisir un aspect, on va dire. Et pour être plus exact, un peu comme à l'image de cette mitose dans les cellules, en fait, quand les cellules se divisent et se multiplient, chaque cellule qui apparaît de cette multiplication, en fait, elle a la mémoire de la première cellule, donc elle a la mémoire de tout. Et dans notre corps, par exemple, à la base, les cellules qui ont formé mes yeux ce sont les mêmes cellules qui ont formé mon cœur. Mais c'est juste, donc elle avait la mémoire elle aurait pu créer un cœur, elle avait tous ses potentiels, mais en fonction de où elle s'est placée, elle a choisi, en fait, de se concentrer sur une seule partie pour assumer bah, son but, qui était de former les yeux et non le cœur. Et d'autres cellules ont formé l'homme. Et donc, pour nous être incarnés dans cette matière, avant de venir ici, en fait, on a la mémoire de tout. On a la mémoire de ce tout, en fait. Mais en s'incarnant, on oublie. Et cet oubli, en fait, est utile. C'est pour qu'on puisse arriver à se concentrer justement sur notre géométrie propre, c'est-à-dire notre objectif propre de notre vie. Donc c'est, voilà, comme je vous disais, un peu la lumière en elle-même, elle va se fragmenter à travers le prisme en toutes les couleurs arc-en-ciel, en fait. Donc au départ, on a cette mémoire de toute cette lumière source originelle, mais peut-être que moi, je devrais travailler que la lumière rouge. Donc du coup, je vais oublier les autres pour pouvoir me
concentrer là-dessus. C'est ce que mon projet d'incarnation, en fait, me demande. Et on parle de... Voilà, on parle d'une géométrie, d'un schéma, en fait, qui me correspond à moi. Et moi, je vais... Mon objectif, en fait, c'est simplement d'arriver à être guidée pour rester sur mes lignes à moi, en fait. Donc, de cette division du tout, nous, en nous incarnant en fait dans ce corps sur cette terre, on peut dire on peut dire qu'on se définit par trois dimensions. Et ces trois dimensions, c'est moi je prends ces termes-là, l'esprit, l'âme et le corps. Et en comparaison, en fait, pour expliquer un peu les termes que j'utilise d'esprit, d'âme et de corps, on peut prendre la comparaison avec un ordinateur, justement. Donc, dans l'ordinateur, on a la machine ordinateur. On a à l'intérieur ce qu'on va rentrer dans l'ordinateur, ce qu'on appelle les softwares, les programmes. Et après, on a, quand on est connecté à Internet, en fait, on a la Wi-Fi. Donc, l'information, en fait, elle vient de ce grand tout par la Wi-Fi. Donc, l'image, un peu, c'est la Wi-Fi, c'est l'esprit, en fait. C'est celui qui va, voilà, nous ramener toute cette information dont on a besoin. C'est un peu l'information source. Cette information source, elle va venir connecter l'ordinateur à travers le programme, en fait. Le programme, c'est l'âme. Et c'est un peu comme ce relais, en fait, entre mon corps physique et cet esprit, ce grand esprit. Donc, ce qui reprend un peu cette trinité qu'on voit dans beaucoup de religions, de mouvements spirituels. Et avec l'idée que il n'y a pas de séparation, en fait, avec de ces trois dimensions, en fait, de nous. Ni l'esprit, ni l'âme ne sont au-dessus de notre corps. En fait, tout est à l'intérieur de nous. Et c'est simplement des niveaux de vibrations différentes de la même chose, de la même expression. Et du coup, en recevant cette information source, si on veut, de l'esprit par cette Wi-Fi, l'âme reçoit un programme. Donc, on peut dire comme un objectif de vie, une mission. Et elle va le transmettre dans le corps, et du coup, c'est grâce à elle, elle va du coup pouvoir guider le corps et l'amener là où doit être, lui amener les informations et les capacités en fait pour manifester en fait ce but, cette information, cette énergie source qui vient de l'esprit. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec cette analogie un peu de l'ordinateur, l'ordinateur, il fait, vous avez vu qu'il évolue, enfin les ordinateurs évoluent en permanence. On a toujours voilà, des nouveaux programmes qui arrivent. Là, par exemple, on utilise encore une nouvelle plateforme pour faire les conférences. Avant, c'était une autre qui est encore plus performante, qui a une meilleure connexion. Et l'ordinateur, il fait aussi souvent des mises à jour. Et en fait, il se passe la même chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que plus je vais avancer sur le programme de mon âme, plus je vais vraiment suivre ce qu'elle me dit, arriver à l'écouter, cultiver cette écoute, plus elle va transformer mon corps physique, donc ça peut être dans sa physiologie, mais ça peut être aussi, elle le transforme dans des nouvelles façons de penser, nouvelles réflexions, des ouvertures de conscience que je n'avais pas avant, dans des nouvelles situations que je vis aussi. Et puis, donc, ce qu'on appelle l'évolution, en fait, quoi. Et puis, plus je vais avancer dans ces situations, ces nouvelles situations, plus, en fait, je vais pouvoir recevoir aussi une nouvelle information de cet esprit, cette Wi-Fi. Et plus ce canal, quelque part, il se purifie et du coup, il grandit. Bon, c'est un peu
L'analogie, même si elle n'est pas super belle, peut-être de la 4G, la 5D, même si voilà, on n'est pas forcément fan de la 5G. Mais dans l'évolution de ce que ça permet par rapport à l'ordinateur d'aller plus vite, de capter encore plus d'informations, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait. C'est un peu à chaque fois, plus j'arrive à connecter à la voix de l'âme, à la vision de l'âme et du coup à suivre ce qu'elle me dit, plus je raffine ma connexion intérieure à cette âme qui me connecte directement à l'esprit. Donc je peux recevoir plus d'informations et naturellement, en fait, ma physiologie aussi va être transformée parce que pour recevoir ces énergies subtiles, j'ai besoin de renforcer mon corps, de le raffiner quelque part. Sinon, ça grille, entre guillemets. Je rigole, mais bon, voilà, on sait que ça existe si on veut aller trop loin et court-circuiter trop rapidement, en fait, surtout. Si le corps physique n'a pas eu le temps de s'adapter au nouveau programme, en fait, quelque part, en fait, voilà, ça fait des courts-circuits dans le mental, par exemple. Voilà. Et du coup, le projet de notre âme, c'est simplement de nous guider à suivre en fait cet objectif qu'on a dans notre vie, d'être parti d'un point. Et en fait, on est arrivé avec un endroit, avec un certain bagage. On est arrivé avec une certaine cartographie, une certaine géométrie qu'on voit maintenant un peu dans les thèmes astro, par exemple, et qui va définir un peu, voilà, ce bagage avec lequel je viens. Et je dois aller vers schématiquement vers un autre point. Voilà, je viens de ce point-là et je dois aller vers ce point-là. C'est l'objectif de ma vie. Et mon âme, en fait, elle est juste là pour me guider à marcher ce chemin, qui est cette mission, en fait, à suivre pour atteindre ce nouveau point-là, cet objectif. Donc, en fait, c'est notre garant pour nous guider à suivre cette ligne de géométrie ou ces lignes de géométrie, parce que c'est pas qu'une ligne, évidemment. C'est tout un ensemble en fait un schéma qu'on a à parcourir un peu comme une forme de labyrinthe mais avec un plan bien précis qu'on a à parcourir. Et elle est garante de nous envoyer en fait les informations pour nous dire ah oui voilà ou nous envoyer les informations aussi dès qu'on s'écarte en fait. Donc notre âme, elle va nous parler par différents biais. Elle va nous parler par notre intuition, moi ce que j'appelle la voix de l'âme, qui vont être des idées. Elle va nous parler aussi par nos sensations physiques dans notre corps. C'est pour ça que je disais aussi, c'est vraiment à l'intérieur du corps, et à travers nos émotions. Et pareil, je reprends cette idée que comme l'esprit, l'âme et le corps ne sont pas différents, mais en fait c'est simplement la même chose qui vibre à des niveaux, des fréquences différentes, mais en fait c'est une unité. L'intuition, la sensation physique et l'émotion, c'est pareil en fait. C'est voilà, des niveaux de vibration différents de la même chose. Alors donc du coup nous évidemment notre objectif quand on s'incarne en général voilà les enfants ils sont facilement reliés à leur âme parce que ça passe aussi beaucoup par cette ouverture à l'imaginaire et donc cet imaginaire en fait nous relie complètement à cette écoute en fait de ah, ces idées qui viennent, cette intuition, de je vais avec mes sensations, je vais avec mes émotions là où elles m'amènent. Et petit à petit,
énormément parce qu'on n'est pas du tout guidé dans notre monde aujourd'hui présent à cette écoute-là, en fait. Ça se ferme petit à petit parce que, évidemment, on sait, on est dans une société aujourd'hui qui s'est perdue un peu dans la matière, on peut dire, et qui, du coup, s'applique à nous enseigner que nous sommes matière avant tout. Alors qu'en fait, comme on disait, esprit, âme et corps, c'est la même chose, des fréquences différentes. Mais du coup, l'esprit, c'est lui qui a créé, c'est la source, c'est lui qui a créé l'âme et le corps. Donc, à la base, nous sommes un esprit qui venons faire une expérience dans ce monde de la matière. Et ce monde, en fait, de la troisième dimension, c'est un monde qui est merveilleux, en fait, parce que c'est le monde de l'expérimentation. Toutes les dimensions, il y a certaines dimensions qui permettent de créer beaucoup de plans, de géométrie, mais c'est vraiment cette troisième dimension qui nous permet d'expérimenter, en fait, avec cette matière, en fait, avec ces énergies, avec ces deux pôles du temps et de l'espace. La dualité, souvent, on la relie à le temps et l'espace qui sont complètement une construction, c'est pas quelque chose d'une voilà réel en fait. Ce temps et cet espace vient donner naissance à la matière. C'est parce que je suis née à un endroit et à un temps précis que j'ai cette forme-là. C'est ce qu'on voit dans les thèmes astro où on nous demande toujours notre date de naissance et notre lieu de naissance parce que voilà le temps et l'espace viennent nous former. Donc viennent donner un corps, une matière à cet esprit. Et par cette matière, je peux venir en fait jouer avec elle et venir expérimenter. Donc, le but aussi de cette incarnation, c'est de venir expérimenter selon les élans, selon la direction que me donne mon âme, en fait, venir expérimenter toutes ces directions-là et d'apprendre d'elles et puis de transmettre de ce que j'ai appris. Voilà. Donc, l'enfant est souvent relié après jusqu'à un certain âge à cette âme, et puis petit à petit, ça se referme. Donc, nous, on en arrive ici, adultes, à se dire, OK, j'ai bien conscience qu'il y a quelque chose de plus profond à l'intérieur de moi qui peut me guider, mais comment je fais pour retrouver ça? Et pour retrouver quelque part cette forme de magie de la vie où je, malgré tout ce qui peut me traverser d'émotions, de turbulences, de questionnements mentaux, je retrouve en fait cette sensation d'être guidée en fait. Donc, moi, c'est vraiment ça mon chemin. Bon, c'est un chemin de vie comme beaucoup de chemins de vie et qui s'est retrouvé devant ces moments de se dire, bon, mais en fait… Je suis complètement à côté de la plaque et je suis sûre qu'il y a autre chose que ça parce que c'est pas possible. Et du coup, comment on fait pour retrouver cette connexion avec cette essence à l'intérieur de nous, cette espèce de radar qui voit beaucoup plus loin que mon mental, parce que le mental aussi est relié à la dualité. Et une image bien parlante aussi, c'est on a deux yeux. L'un est relié à la polarité positive, l'autre à la polarité négative. C'est-à-dire, il y a deux possibilités, un chemin ou l'autre, droite ou gauche. Et en fait, l'âme est reliée au troisième œil. Le troisième œil voit plus large, voit au-dessus, en fait. Il peut arriver à voir les deux polarités sans être enfermé dans l'un ou dans l'autre. Donc, la vision de l'âme, c'est celle qui, justement, arrive à voir des possibles, là où le mental voit que des blocages quelque part, ou voit juste, bon, mais il n'y a que deux chemins, en fait, ces deux chemins ne me conviennent pas. L'âme, c'est ce radar beaucoup plus large, c'est ce spectre quelque part beaucoup plus large, auquel nous ne pouvons pas avoir accès juste par le mental, ou l'identification à l'ego, à la personnalité qui réfléchit par le mental. Donc, on a besoin de retrouver cette connexion à notre âme. Donc, comme je disais, comment on retrouve la connexion à l'âme, par quel biais elle nous parle?
Elle nous parle par ces trois biais de l'intuition, la sensation et l'émotion. Et elle peut nous parler de façon très simple, pas toujours par des super grandes idées de « Ah ouais, ma mission de vie, c'est ça ». Non, en fait, le canal avec notre âme, il est toujours ouvert. Et c'est à nous d'apprendre à le cultiver, mais il est là au quotidien. Et notre âme, elle nous guide en fait sur pas à pas, en fait, sur plein de petites actions de notre quotidien. Et ça, c'est très important pour moi de reprendre, de partager ça et de récupérer ça, parce qu'on a souvent l'impression de dire, ah ouais, mais en fait, c'est trop brouillon, j'arrive pas, mais je me dis, mais c'est quoi ma mission d'âme? En fait, je n'arrive pas à trouver, on parle de l'âme, mais plus on développe cette écoute-là, plus on arrive à faire la différence entre, mais ce n'est pas forcément la chose la plus importante à la base, en fait. C'est surtout de pouvoir sentir une vraie guidance qui vient de l'intérieur. Elle vient nous parler au quotidien, pas à pas, en fait, pour nous diriger. Donc, par rapport à ces trois canaux par lesquels elle passe pour nous parler, on a l'intuition, ce que j'appelle moi la voix de l'âme, qui peut s'exprimer par des idées vraiment qui viennent dans notre tête, mais qui est vraiment à faire une différence avec les pensées. Parce que les pensées, en fait, elles sont complémentaires de l'idée. En fait, l'idée, elle vient et elle va correspondre plus à des micro-élans. Ça peut être des élans ou des micro-élans même, des grandes inspirations, mais aussi des petites inspirations. Ah tiens, si je faisais ça. Quelque chose vraiment qui, un peu qui tombe dessus, quoi, quelque part. Et ensuite va venir la pensée. Et là, c'est le mental qui va se mettre en marche et qui va réfléchir pour arriver à mettre en action cette idée. Et ça, c'est important d'arriver à faire la différence, petit à petit, à affiner la différence entre les deux. Parce que sinon, on peut rester quelque part bloqué dans la pensée et se faire mal à la tête. Et je vais vous en parler un petit peu plus après. Comment arriver à faire cette différence-là et comment vraiment s'ouvrir plus à cette intuition. Ensuite, donc, parce que comme je vous disais, en fait, l'âme, elle est tout le temps là pour nous guider, pour nous dire, OK, ton chemin, c'est vers là, donc c'est bien, continue. Ou alors, ah ben non, là, tu t'écartes, comment je. Donc, comment elle nous parle? Elle nous parle aussi par nos émotions. Et en fait, c'est assez simple, quelque part, c'est juste, c'est des choses très simples, mais c'est juste qu'on a tellement peu été éduqués à les écouter qu'on a l'impression que c'est devenu hyper compliqué, mais c'est juste des muscles en fait à redévelopper. C'est de se réouvrir vraiment à écouter nos émotions et à aller avec elles. C'est-à-dire, les émotions, bah, là où je ressens de la joie, okay, ça veut dire, ah bah là j'y vais, là où je ressens de la paix, là où ça me voilà, nourrit cette joie, cette envie. Okay, ça. Et quand dans ma vie, je rencontre plein de moments où en fait je suis hyper fatiguée, où je confronte la colère, où je confronte la tristesse, en fait, ça renvoie à, bah, là je me dirige vers quelque chose qui ne me correspond pas. Comme avec au niveau physique, donc là c'est revenir aussi au niveau physique, et en général les émotions évidemment ça va avec le physique. S'il y a des choses que je fais, des situations où je suis, où je sens wow, une énergie, un élan pour aller de l'avant, une force à l'intérieur de moi, ok, ça c'est vraiment j'y vais. Et quand je me sens très fatiguée, en fait, c'est apprendre à écouter ça, et ça veut dire bah, là, apparemment, je ne vais pas dans la bonne direction. Ce qui ne veut pas dire exactement là où je me dirige, ce n'est pas juste, mais ça veut plutôt dire là, en fait, il faut que je fasse une pause. Que je revienne à moi, que j'essaye de faire de off, de prendre du temps et d'aller justement chercher ce temps de pause pour aller écouter plus mon âme. Donc, les émotions, entre guillemets, négatives et les sensations physiques. Désagréable, entre guillemets, ça ne veut pas forcément dire je me dirige pas au bon endroit, mais par contre, ça veut dire là, tout de suite, maintenant, c'est pas
C'est pas ce qu'il me faut. Si je suis fatiguée, c'est essayer de me reposer. Et en fait, c'est vachement, c'est très important. Ça semble très basique, mais en fait, c'est essentiel parce que nous avons été élevés dans notre société à ne pas écouter ça et à toujours aller au-delà de ça. En fait, ok, je suis fatiguée. Oui, mais je vais quand même faire ça. Donc, c'est un muscle qu'on ne sait vraiment pas, qu'on n'a pas vraiment travaillé. Et à force de ne pas écouter, en fait, une émotion là, une colère qui vient et qui me demanderait en fait juste de faire un off, d'aller me promener, ou une fatigue qui me demanderait de me reposer. À force de ne pas écouter ça, c'est là que on s'écarte de pouvoir vraiment entendre en fait les messages. Parce que peut-être qu'aussi, parfois on a l'impression que oui, les messages, c'est je devrais entendre cette voix. Mais en fait, les messages, ils sont, comme je vous disais, des petites choses dans notre quotidien qui s'expriment par des idées, certes, mais aussi par des émotions et par nos sensations physiques. Donc, moins je vais les écouter, plus je vais me fermer à ça et plus je vais aller à l'encontre. Plus ça va aussi renforcer, évidemment, des émotions difficiles ou des sensations désagréables. Et du coup, c'est un moment de se dire, bon, bah là, en fait, effectivement, ça ne va pas. Donc, il faut que je prenne en compte cela plutôt que d'aller comme on m'a appris, non, tu dois aller travailler, tu dois assumer ça, tu dois. OK. Donc À ce stade, ouais, Ophélie, oui. à ce stade justement, j'ai une question à Oui. te poser. À chaque fois que j'ai une question d'ailleurs, c'est marrant parce que tu réponds tout de suite derrière. Et là, D'accord. à ce stade, donc, par rapport aux émotions négatives, la fatigue, etc., il faut savoir s'écouter, bien sûr. Mais ça veut dire à chaque fois donc qu'il y a une pause. On a peut-être besoin de faire une pause à ce moment-là pour se réécouter à nouveau, pour se réécouter à nouveau, pour voir vers où on se dirige. C'est comme si tu disais, donc c'est comme si notre âme disait à ce moment-là, t'es pas tout à fait sur le bon chemin. Donc on fait une pause. Est-ce que donc on se pose des questions à ce moment-là pour dire, mais finalement où est-ce que je me dirige alors? Alors, justement, c'est pas forcément ça qui va aider parce que souvent quand on commence à se poser des questions, quand on n'est pas bien, c'est juste le mental qui tourne et lui, il a cette vision dualiste, on va dire en tout cas très limitée au niveau du champ des possibilités. Parce que l'âme, elle est connectée à ce champ quelque part infini de l'imaginaire, mais souvent quand on commence à se poser des questions avec le mental, ah mince, vers où je me dirige, on n'a pas accès à ça. En fait, je décris tout ça, je peux imaginer que, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, c'est sûr que c'est pas mal de conseils, mais vous allez voir, ça va peut-être bien se mettre en place en continuant la conférence. Ce qui est très important, en fait, c'est cette recherche de cohérence à l'intérieur de nous. Voilà, la cohérence entre ces idées qui va venir nourrir mes pensées, ces émotions et mon corps physique. Comme c'est ces trois dimensions d'une même chose, en fait, si elles ne sont pas en cohérence, bah forcément, je suis un peu à côté, quoi. Ça va être plus difficile. Ce qu'on peut ramener aussi à chercher cet alignement. Et c'est normal de passer par des moments, évidemment, où on n'est pas en cohérence, puisque la vie est mouvement. Donc, c'est normal qu'on soit ballonné. Après, c'est toujours l'idée de… Il y a ce point central, neutral au centre. Nous, on est ballonné un peu d'une extrémité à l'autre, mais toujours, on passe par là et après, on revient au centre. Donc, on réappelle cette cohérence. Et c'est normal qu'on fasse ce mouvement. Pff, on revient, on se récarte, on revient. Par rapport à ta question, justement, et évidemment, effectivement, j'en viens, c'est la suite. C'est qu'est-ce que je fais quand il y a ces émotions qui sont là, ou ces douleurs physiques, ou ce mental qui commence à penser que ça ne va pas. En fait, la chose la plus importante par rapport à cette recherche de cohérence, comment j'arrive à la cohérence, c'est chercher à me sentir mieux. Me sentir mieux, ce n'est pas forcément justement réfléchir avec mon mental, mince, je ne fais pas bien les choses. En fait, ça peut être carrément… J'en ai parlé pas mal de fois parce que ça va rejoindre la pensée créatrice. Lâcher ce que je suis en train de faire et chercher qu'est-ce qui peut me faire du bien. Donc, on revient au basique. En fait, c'est des choses hyper essentielles, mais qu'on a oublié. C'est-à-dire que normalement, si je sens une fatigue dans mon corps,
Si je savais m'écouter et que j'étais complètement en dehors, ah non, les conventions sociales disent que je dois faire ça, c'est ça, j'irais juste me reposer. Si j'étais voilà, si j'étais en colère, j'irais juste, je sais pas, courir, faire du sport ou voir quelqu'un qui me fait du bien. Ou... Donc, c'est revenir à ça en fait. C'est chercher qu'est-ce qui là peut me faire du bien ou peut me faire aller un peu mieux ou peut me faire sortir un peu de ça. Donc, dans ces stratégies pour faire fluidifier les émotions ou apaiser la douleur physique ou lâcher le mental jusqu'à retrouver cette cohérence, qu'est-ce que j'ai comme outil autour de moi en fait? Les outils, ils sont larges. C'est pas du tout seulement se reposer, parce que des fois, quand justement on n'est pas bien et que le mental, il est là, surtout pour les occidentaux, en fait, je m'allonge et puis en fait, j'ai juste le mental et j'ai mal à la tête et c'est encore pire. C'est qu'est-ce qui peut, moi, qu'est-ce qui peut me faire du bien dans ma vie? Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire du bien. Alors, il y a tous les outils artistiques, évidemment, de la danse, du mouvement, de tout ce qui peut créer du mouvement, en fait, donc le sport aussi, la musique, le chant, parce que tout ça, en fait, va créer du mouvement à l'intérieur de moi et donc va aider à fluidifier ces émotions, lâcher un peu le mental et du coup me faire sortir de ça. Après, il y a la connexion à la nature, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est changer le cadre, si vous voulez, quand si je suis dans un endroit où voilà, je me sens pas bien, le cadre peut me soutenir en fait. C'est, je peux avoir beaucoup de soutien aussi à l'extérieur de moi pour me réharmoniser, me réaligner. Si je vais voir un arbre en fait, comme lui, il est en cohérence, si vous voulez, si je me relie à lui. Il va m'aider en fait à retrouver cette cohérence. Il y a donc voilà tout ce que je disais, la musique, le chant, la danse. Aussi prendre un bain, ça c'est prouvé aussi. Voilà, il y a des études qui ont été faites comme quoi le bain et le bain chaud en fait, la chaleur en fait, ça va faire évacuer les émotions. Donc, c'est réfléchir. Après, ça peut être aller cuisiner, aller voir quelqu'un, un ami, une amie qui peut me faire du bien, en fait. Et pareil, parce que si je vais voir quelqu'un, un ami qui est un peu plus stable que moi, en fait, automatiquement, mes chakras vont s'aligner au sien. Et ça, ce que je dis, je sais que tout le monde peut le sentir. Voilà, rappelez-vous une situation où vous étiez pas bien. Voilà, vous êtes chez vous et tout, vous braillez du noir. Vous parlez même à un ami au téléphone. Et puis, en quelques minutes, d'un coup, ça ouvre une petite fenêtre. En tout cas, il y a une petite respiration qui est là, quoi. C'est pas ça, changer toute votre vie, mais quand même. Et en fait, presque que la personne vous dise quelque chose ou pas, juste son énergie et quelque part son ouverture, son écoute à vous, sa bienveillance, fait que ça vous aide à vous raligner. Donc, voilà, le première attitude à avoir, en fait, quand on est pris dans une espèce de mouvement qui peut être marasme ou plus ou moins fort, émotionnel ou une douleur physique ou une prise de tête mentale, c'est de se dire, OK, une pause, c'est clair, mais c'est surtout qu'est-ce qui peut là m'aider un peu, quoi. Et de trouver en soi, en fait, et d'aller essayer. OK, moi, peut-être c'est 5 minutes aller danser, peut-être c'est aller prendre un bain, peut-être c'est appeler une personne. Mais en fait, je vous dis, c'est hyper important. Ça, c'est notre devoir, quelque part. Donc, vraiment, moi, je le dis sérieusement. On a toutes ces aides qui sont autour de nous et vous qui êtes là sur ce canal, si vous êtes sur ce canal, c'est que vous avez déjà un sacré chemin, j'imagine, et que du coup, vous avez déjà pas mal d'outils. Donc les outils, ils sont là, ils s'offrent à nous, ils circulent de plus en plus, il y a de plus en plus de stages, de conférences par Internet près de chez nous qui vont toucher à l'énergie, qui vont toucher aux arts, qui vont connecter à la nature. À tout ce qui est la création aussi, l'artisanat, la cuisine. Et donc les outils sont là. Maintenant, notre devoir à nous, c'est de vraiment, quand on est pris dans ces mouvements lourds, on va dire de fréquence plus basse, d'aller chercher ces outils-là. Et je dis, c'est vraiment notre devoir parce que. Parce que, en vérité,
Nous sommes cette âme. Donc en vérité, notre guide, il est tout le temps là à l'intérieur de nous. Et en vérité, la vie, elle est magique. Elle est pleine de cette magie avec ses signes, si vous voulez, qui nous guident en permanence pour que nous soyons, retrouvions cette ligne. En vérité, on est guidé en permanence. On s'est incarné avec cet objectif particulier. Et si nous, on ne s'en rappelle pas là tout de suite, on n'a pas tout conscientisé, ben, en fait, l'âme, elle le sait. Et l'âme, elle reçoit les informations qui sont utiles dans l'instant T. Là, je suis prête à voir ça. Du coup, la guidance, elle est là. Mais il y a aussi une grande force qui vit en nous, qui quelque part crée l'illusion de la séparation avec cette guidance, comme l'illusion que notre âme, elle est au-dessus de nous, que des fois, elle se barre, alors qu'en fait, nous sommes cette âme. Et ces forces d'illusion de séparation, elles sont fortes, évidemment, parce que c'est aussi le jeu de cette matière, quoi, de ce monde-là. Mais quelque part, ça fait partie de notre objectif de vie, de ce chemin à parcourir, que d'œuvrer à retrouver la connexion, retrouver en permanence, la recultiver, hop, je me repère, hop, je vais la rechercher. Comme je disais, c'est normal d'être ballotté à droite, à gauche dans la dualité, puisqu'on est encore un peu dans ce monde de la dualité. Mais nous, notre devoir, c'est de chercher ce chemin pour retrouver le centre. Hop, et je repars, ah ben, je retrouve le. Et en fait, c'est quelque part ce balancement. Il vient aussi pour nous aider à renforcer ce muscle jusqu'à ce qu'on continue à vivre ces mouvements émotionnels, mais alors que je vis cette émotion qui est pas agréable, j'ai toujours conscience d'être guidée. Et j'arrive encore, ok, bon, voilà. Et en fait, voilà, je reçois, ah bah oui, là, je suis pas très bien. Ah, ça veut dire que bah, peut-être que là, je ne me suis pas vraiment écoutée et qu'il faut que je fasse une pause et qu'effectivement, il faut que j'aille danser, quoi. En fait, j'ai trop envie de danser et je reporte ça pour finir ce truc-là. Mais en fait, je n'arrive pas à finir ce projet-là, par exemple, pour mon travail. Et peut-être que si je n'y arrive pas, c'est parce que j'ai pris la chose à l'envers. C'est que je dois d'abord aller danser. Et que si je vais danser, hop, ça va libérer le mental de son petit moulin là qui réfléchissait et qui bloquait en fait l'idée, enfin ça bloquait pas l'idée d'apparaître, mais ça me bloquait moi d'entendre l'idée. Et alors pour vous dire, tout à l'heure avant la méditation, je vous ai parlé de ces énergies complémentaires, en fait l'énergie masculine yang, l'énergie électrique qui envoie quelque part cette demande à l'univers, je veux ça et donc je vais vers ça, je vais le chercher. Mais il y a la complémentarité en fait de l'énergie magnétique féminine et c'est celle qui attire à elle en fait. Et notre monde, on le voit bien en fait, c'est surtout concentré à stimuler l'énergie électrique de je veux ça et je vais l'avoir et je serai heureux quand je l'aurai et self-made man, c'est moi qui fait ma vie avec mes bras, avec ma volonté et du coup qui a évincé cette autre énergie mais qui est complémentaire et du coup cette énergie en fait de la qui attire à elle, cette énergie magnétique, c'est aussi l'énergie d'accueil. C'est l'autre, c'est l'action, je vais chercher vers. Et celle-là, c'est en fait, je m'ouvre à recevoir. Et c'est pour ça que c'est difficile pour nous aussi, voilà, pour beaucoup, d'entendre vraiment et de recevoir cette guidance de l'âme, parce qu'on n'a pas cultivé, en fait, pas tant que ça, en tout cas. Cette énergie, en fait, là, je ne vais pas chercher à faire quelque chose pour aboutir à un résultat, là, hop, mais je peux chercher à la rigueur à entrer dans une action pour m'ouvrir plus à l'état de réception. Et c'est ça, en fait, vers quoi je veux vous guider quand je vous dis chercher ce qui peut vous faire du bien, faire fluidifier ces émotions, aller danser là. Quand si je vais danser alors que je dois écrire un rapport pour mon travail, c'est pas dans l'idée là de finir le rapport parce que c'est pas cohérent en fait d'aller danser, mais c'est pour me réouvrir à cet état
de réception. Voilà, cet état de réception qui va avec cette foi, cette confiance en moi et en la vie, que justement je suis guidée et que du coup ça va venir à moi. Parce que quelque part, si cette énergie électrique, yang, d'aller chercher, elle a tant marché quelque part, ou elle est tant convaincante, c'est parce qu'elle s'est aussi construite sur casser l'idée que les choses peuvent venir à moi. Et en fait, là, avec cette réouverture, cet alignement pour entendre l'âme, on n'est plus dans une recherche de je dois faire quelque chose pour obtenir quelque chose, mais c'est plutôt je me réouvre à un état particulier, je cherche un état particulier, et parce que je rentre dans cet état, je vais vibrer en harmonie avec ce qui me fait du bien. Alors, justement, Ophélie, justement, j'ai mis dans le chat, j'ai diffusé dans le chat l'atelier que tu proposes d'ici, c'est le mardi, d'ici presque une semaine. C'est mardi 15 septembre, donc j'informe les personnes qui sont dans le chat. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton rose, je profite de l'offre pour voir toutes les informations. Concernant l'atelier donc qu'on propose Ophélie. Dans cet atelier, tu nous proposes de nous connecter à notre âme et de recevoir le message présent. Alors, avant que tu nous en parles justement, qu'on continue à en parler, parce que voilà, j'en ai profité pour en parler justement de ce que tu nous propose dans cet atelier, puisqu'on parle justement de nous connecter à l'âme et d'entendre le message de notre âme. Donc, je voudrais juste dire aux personnes, donc voilà, déjà cliquez sur le petit bouton rose pour que vous ayez toutes les informations concernant cet atelier. Et ce que vous voyez dans l'offre, vous avez deux prix. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un prix qui est de 47 euros. Donc, vous allez pouvoir avoir l'atelier en vous connectant dans votre espace privé de membres. Et pour les personnes qui achètent pour 57 euros, vous allez avoir la possibilité de télécharger la vidéo de l'atelier et ainsi que le fichier MP3. Voilà la différence entre les deux prix. Mais sinon, il s'agit exactement du même atelier. Donc, Ophélie, est-ce que tu peux justement nous parler de ce qu'on va voir pendant cet atelier de connexion à notre âme et pour recevoir ce message justement? Oui, et ben justement, je vais utiliser quelques outils pour là dont je faisais référence, un peu de chercher un peu les outils qui peuvent nous aider à libérer un peu ce mental. En fait, c'est vraiment arriver aussi au silence pour pouvoir à calmer en fait tout ça, pour pouvoir entendre cette voix plus subtile. Et du coup, je vais vous guider dans cet atelier avec les outils du tambour chamanique, du langage d'âme, et puis donc de la visualisation aussi. Moi, j'utilise beaucoup ça, en fait, voilà, petit à petit, à travers ce travail-là qu'on a pu aussi voir un peu au début de la respiration, arriver à, et du chant et du tambour. D'arriver à appeler, en fait, à se laisser quelque part ouvrir à cet état d'accueil et avec un petit voyage guidé. Et puis, j'associe aussi le dessin et l'écriture. Donc, vous verrez, c'est un peu mes outils d'art thérapeute aussi, parce qu'à travers le dessin, c'est aussi un très bon moyen pour arriver à un peu trouver un miroir en fait de l'âme quelque part quoi, donc un pont pour communiquer avec elle, déposer dans le dessin, et c'est un super médium en fait, vraiment soutenant pour communiquer avec l'âme. Donc pour ceux qui veulent participer à l'atelier, c'est écrit dans la présentation normalement, mais pensez vraiment à avoir des feuilles et des pastels avec vous et des stylos,
parce qu'on va aussi utiliser voilà, les Tout à outils fait. artistiques du dessin, Tout à sans, sans... fait. Et il n'y a aucun besoin d'avoir quelconque connaissance du dessin ou autre. C'est vraiment utilisé simplement comme outil de communication à son intériorité. Ce n'est pas du tout une recherche d'esthétisme. Mais par contre, vous allez voir que c'est une porte très intéressante et vraiment soutenante pour connecter à son intérieur. Ok, Voilà. tu m'entends toujours? Oui. Ok. Je voulais aussi dire justement pour les personnes qui vont regarder le replay, vous allez pouvoir donc lire toutes les informations dans le descriptif qui sera en dessous de la vidéo que vous regardiez sur le site de l'académie ou sur YouTube. Vous allez pouvoir regarder tous les détails de l'atelier dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc oui, tu disais tout à l'heure, donc c'est important, effectivement, je peux le lire d'ailleurs, hein. Important, pensez à vous munir de feuilles, de pastels ou crayons pour les ateliers. Il est conseillé d'utiliser des feuilles blanches de format A3, donc c'est important déjà, pour Oui, avoir parce que c'est, suffisamment d'espace. oui, voilà, c'est important, c'est sûr, voilà, d'avoir de l'espace, parce que ça change tout aussi, l'espace qu'on a. Si on a une petite feuille, bah, ça restreint aussi, c'est un peu comme cette vision, en fait, Oui. de, voilà, de notre mental ou la vision de l'âme, en fait, on a besoin de, c'est l'idée de, voilà, d'ouvrir un peu sa vision plus large, quoi. OK. Et ce que je voulais dire aussi pour finir et pour faire le lien avec la méditation qu'on a fait du début, si j'ai choisi aussi de vous faire vous concentrer sur cette énergie de la gratitude, en fait, c'est parce que la gratitude, en fait, c'est un des moyens les plus puissants, en fait, pour réactiver cet état, voilà, se réouvrir à cet état de réception, en fait, et nous réaligner. Ça crée cette cohérence, en fait, entre le cœur et le mental. Et voilà, c'est un peu un petit... Une petite astuce quelque part assez rapide qui vient calmer le mental qui est concentré sur du négatif et en fait qui ça réouvre et ça se sent en fait très physiquement. Vous voyez, quand vous êtes en train de penser pas bien et tout ça, et que d'un coup il y a ces images de joie, de remerciement, de ah, c'est beau ça. Vous sentez en fait dans votre physiologie et aussi que ça change et vous changez vraiment. Du coup, pratiquer la gratitude aussi, c'est quelque chose de fondamental et quelque chose qui est très très soutenant pour rentrer dans cet état d'accueillir parce que ça vient changer notre physiologie, mais ça vient changer aussi en fait ce qu'on vibre à l'intérieur. Et d'un coup, si je vibre le bien-être, la joie, parce que j'ai repensé à cette situation avec cette personne, en fait, je suis en train de vibrer l'état peut-être dans lequel je voudrais être si j'ai ce nouveau travail. Et du coup, si je vibre cet état qui est en harmonie avec ce nouveau travail, bah, ça va aider en fait à attirer ce nouveau travail à moi, par exemple. Ou l'état que je serais si j'étais en relation amoureuse, en fait. Comme ça me fait vivre cet état, déjà, c'est comme si je vivais cette situation, donc ça va aider la situation à venir à moi. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'adore amener des méditations sur la gratitude parce que c'est tellement beau comme énergie, en fait, c'est l'énergie d'amour plus plus, et c'est une énergie qui nous transforme très vite, en fait, et nous réouvre à ce pouvoir magnétique. Voilà. Ok, tu nous as pas. J'ai entendu tout à l'heure. Il y aura du tambour chamanique aussi. Oui. Ouais. Ah, ça c'est super. Je sais que ça fait énormément vibrer les gens. On adore entendre, écouter le tambour chamanique. Donc Oui, pour les personnes pour les personnes qui adorent ça, bah, venez avec nous pendant l'atelier du mardi 15 septembre. Parce que c'est vrai que le tambour, ça fait réellement vibrer, c'est vrai, et ça c'est ça, et atteint en les fait, cellules, hein. c'est Ouais. ce que je disais, c'est les vibrations. En fait, c'est juste, on change de vibration quand on broie du noir et quand d'un coup on se réouvre, on a changé de vibration, en fait, donc ça change notre physiologie, mais à la base, c'est une vibration, c'est un son, donc. C'est pour ça que voilà, le tambour, c'est sûr que c'est magnifique pour ça aussi. Ouais, super. Ok.
Donc, Voilà. d'ailleurs, quelqu'un dit, j'ai vu du tambour pour se connecter à, vo à votre âme. C'est exactement ça. Je ne sais pas qui est conférence en direct. Donc, c'est super. OK. Bon, Donc, génial. est-ce que vous avez des questions? Auriez-vous des questions à poser à Ophélie, que ce soit par rapport à l'atelier ou par rapport à la conférence? Moi, franchement, j'ai trouvé ta conférence complète. J'avais des questions. Alors, c'est ça, c'était marrant, Ophélie, parce que j'avais des questions. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais lui poser cette question. Et juste derrière, tu répondais à ma question. C'était arrivé 3 fois. Et puis, à un Ah, moment génial. donné, j'ai quand même dit, bon, je vais lui dire quand même, je vais poser la question, mais t'allais y venir aussi, donc voilà. Donc c'est marrant, t'as beaucoup parlé, mais finalement les questions que je voulais te poser, tu y as répondu Ouais. directement sans même qu'on te la pose, quoi. Ouais. Alors, Oh, bah, génial. c'est génial, oui. Christine, combien de temps va durer l'atelier? Un certain temps. Combien tu est-ce que Oui, tu bah, as prévu ce genre de non, c'est un peu le même format, une Voilà. heure et demie en Une heure et général. demie à peu près, une Bon, à heure. peu près, plus ou moins, c'est vrai que ça peut se dépasser. Oui, ça peut Tout dépasser à un peu. fait. Parce que Ah comme il y a le tambour et oui. le langage d'âme, ces phases-là, je peux moins les gérer au niveau du temps, c'est pas moi qui décide. Voilà. Mais bon, à chaque fois, je pose quand même intérieurement, c'est un format entre une heure et demie et maximum 2 heures, mais je pense que ce sera moins de 2 heures, une Voilà, heure et demie, d'accord, moins. Christine. Moi, c'est ce que je pensais aussi. Donc voilà, Christine, entre 1 heure et demie et 2 heures à peu près. OK? D'autres questions? En tout cas, donc, je le répète, pour les personnes qui sont en direct, cliquez sur le bouton rose, je profite de l'offre pour avoir tous les détails. Ensuite, pour les personnes qui regardent le replay que vous aurez d'ici 48 heures environ, vous allez trouver tous les détails de l'atelier dans le descriptif qui sera en dessous de la vidéo. Et pour les personnes aussi, évidemment, qui prennent l'atelier, vous aurez le replay dans votre espace privé de membres. Et puis aussi, pour les personnes qui prennent le prix qui est au-dessus, enfin qui est de 57 euros, vous allez pouvoir avoir la possibilité de télécharger la vidéo et le fichier audio MP3. Voilà, on a tout dit par rapport à l'atelier. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Ophélie? Et j'aurais plein de trucs à rajouter, mais je vais arrêter parce que je ne sais plus. Mais non, j'étais très contente. Voilà, mon souhait, c'est qu'effectivement, ça ait pu rentrer dans quelque chose de cohérent, parce qu'en fait, c'est un sujet, moi, qui me tient tellement à cœur, mais qui peut être pris par plein de bouts différents. Et c'est pas facile, en fait, de condenser beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de passer, de transmettre. Et en fait, à chaque information, on peut décortiquer de plus en plus. Donc, j'ai essayé d'être plus concise en essayant de chercher quelque chose quand même qui fait un ensemble cohérent. Donc, voilà. Merci d'être là, en tout cas. Voilà. Merci à toi. Moi, ça nourrit mon âme, en fait, de faire ça aussi. Et je sens que chaque fois que je partage, ça m'aligne aussi, en fait, quoi. Donc, merci beaucoup parce que vous m'accompagnez à suivre ce que mon âme me dit de faire. Donc, voilà, Super. ravi dans la joie. OK, ben dans la joie, oui. Dans le bonheur. Et puis, ben écoutez, je ne vois pas de questions, je ne vois plus de questions. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Et rejoignez-nous le mardi 15 septembre pour l'atelier, pour vous connecter à votre âme et recevoir le message présent. Voilà. Merci de Merci votre présence. beaucoup. Merci à Merci à tout toi, le Ophélie. monde. Et Même puis, à soirée. très bientôt. Merci, Caroline, de nous avoir accompagnés. Et à De très bientôt. rien. À Merci. bientôt. Bonne Au soirée à tout revoir. le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.